Chef Souski dans l'épisode 3. C'est la merde pour Daniel. Ouais, Bravo Cindy, tu as progressé. Hein. Oh, c'était incroyable. Tes parents peuvent être fiers. Si vous votez pour Cindy, tapez 1. Allô? Allô, Daniel? Non, c'est la police. C'est bizarre, je tombe sur la police. Ah bon? Il est arrivé quelque chose à Daniel? Aucune idée, c'est qui Daniel? Bah, c'est la personne à qui appartient le téléphone. Quel téléphone? Passez-le moi si c'est la police. Ok. Bonjour, ici le brigadier chef Cordier. Ah, c'est marrant, vous avez le même nom que mon chef. Et la même voix aussi. C'est toi, Mitch? Ben oui, c'est moi. Comment vous savez? Sors de la chambre. Mais où as-tu trouvé ce portable? Il était dans la chambre, chef. Dans ce sachet, vous voyez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais oui, on dirait le t-shirt de Daniel. Vous savez pourquoi il y avait ce sachet dans votre armoire? Ah, non, je sais pas. Peut-être qu'il avait chaud? Mais oui, c'est vrai, il avait chaud. Et il est parti avec l'infirmière, dans la chambre. Je l'ai aidé à résoudre son petit problème, c'est tout. Hein. Quel problème? Eh ben, excusez-moi, je vais vous montrer. Ah, vous lui avez fait ça? Attendez, je note. Et ce truc, c'est quoi? C'est mon thermomètre. Ok. Et ça, vous lui avez fait? Non. Et ça? Non plus! Il ne pourra pas aller bien loin. Bonjour, je... Elle est belle. Bonjour, qui êtes-vous? Personne, je passe par là. Moi aussi, je vous trouve très beau. Beau? Moi? Oui, on voit tout le monde beau. Sinon, on ne pourrait pas s'accoupler avec nos mâles. Je me sens attirée par vous, c'est bizarre. Oh, moi aussi. Comment vous vous appelez? Tétrapoutre. Et vous? C'est un très joli nom. Moi, c'est Daniel. Oh! Vous êtes entreprenante. Argla! Ça vient du labo. Allons voir. J'entends penser des gens qui vous veulent du mal. On vous cherche? Oui. Oh, il faut vous cacher. Vite, suivez-moi. Ils ont encore changé les codes ou quoi? Ne bougez pas, je vais vous téléporter. Vous m'attendrez là-bas. Où ça, là-bas? Vous verrez. Ah, enfin! Putain, je porte! Un prisonnier s'est évadé, vous l'avez vu? Ah, non, désolé. Il n'arrive pas à lire vos pensées, vous les bloquez? Pas du tout. Je ne pense à rien. J'ai entendu des cris bizarres, c'était quoi? Ah, ça doit être le mâle, là-bas. Il est super douillé. Je lui ai juste fait une petite piqûre. Bon, ça va. Tenez-moi informé si vous voyez les valiers. Hein. Bien sûr. Au revoir. Ah, pratique ce bloqueur de pensée. Daniel, j'arrive. Oh, merde! Je me suis plantée, c'est le garde-manger. Oh, c'est fermé. Au moins, je mourrai pas de faim. Toc, toc. Coucou, chef. Je voulais savoir si l'enquête avançait. Oui, ça avance pas mal. Bon, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après... Rien, je l'ai laissé dans la chambre. Et depuis, plus de nouvelles? Non. C'est bizarre, chef, hein? Ouais. Pourquoi il aurait mis ses affaires dans un sachet?
pour les donner à Emmaüs, chef. J'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Oui, c'est vrai. Allez, calmez-vous, vous allez tout me raconter. Sniff. 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 Sniff.